Et voilà, donc la jauge indique à nouveau 100% de façon stable. En fait, ce qui se passe, c'est que le calculateur, s'il y a une interruption sur le signal, garde la dernière valeur enregistrée. Donc, il faut redémarrer le véhicule plusieurs fois pour que le calculateur prenne en charge la valeur réelle de la jauge dans le carburant. Voilà, donc là, si par exemple je venais à débrancher le câble pendant que le véhicule est en route, la jauge ne tomberait pas à zéro. Bon, ça ferait un problème parce que la pompe de gavage ne nourrirait plus la pompe haute pression diesel. Mais voilà, si jamais je débranchais la prise que vous voyez là, ici, si jamais je la débranche, l'aiguille ici ne bougera pas parce que le calculateur retient toujours la dernière position avant coupure du circuit.